Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et disant: le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. En regardant bien là au ciel, un agneau qui était immolé, cet agneau était au milieu du trône. Notre Seigneur Jésus-Christ étant venu ici sur la terre, un jour Jean a vu Jésus. Il dira à ses disciples: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Il est venu pour donner la solution à tout problème qui tourmente. D'Emmaüs, un jour l'on mirait de la route, puisqu'il a causé de Jésus. Et tout à coup, personne ne se présenta au milieu de lui, ne savait pas que c'était lui la solution à leurs problèmes. Oh oui, toi, mon frère, c'est pendant que tu pries. Est-ce que Jésus-Christ soit au milieu? Il viendra te donner la solution. Hey. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. L'homme du milieu. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Il est venu pour donner la solution à tout problème qui tourmente dans la vie. Notre ancêtre Abraham un jour était assis. Tout à coup, il y a eu trois personnes. Se présenta devant lui. Abraham courut, se prosterna devant celui qui est au milieu. Hey! L'homme du milieu. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Oh oui, yeah. Oh oui, Jésus, l'homme du milieu. Il est venu pour donner la solution. Solution. Dans la vie. Toi qui as perdu patience, toi perdu la foi, viens à Jésus, prends tout problème. Il est notre avocat. Et du Père Koumama. Yeah, oh mama, Yahweh na bibile, eli ke ba santoué. Oh mon kondi, o kange la bangonge mi pepe to sa mongongo na yo. Yahweh, mon kote a kutani na masi ananda. Ma kotika kembo pe okoma lisumu mpona ngai.